people. Faudra leur rendre les juifs, les dents en or. Hein? Et le fric d'Adolf Hitler. Faudra partager un peu. Hein, la Suisse? Elle est belle, la Suisse, hein? Elle est riche, la Suisse, hein? Elle est neutre, hein, la Suisse? Elle a pas voulu rentrer dans l'Europe, hein? Partager le fric des nazis, il n'y avait pas moyen. Ah! Yes! Partage tes caisses avec les pays pauvres. Sinon, ça, tu vas avoir l'ONU. Ils n'auront pas que le siège chez toi. Ils auront une équipe de censure, une équipe d'huissiers qui vont venir te dépouiller tes comptes, toi, la Suisse. Et mon pote, qu'on va te reprendre le fric des Allemands, la Suisse. Tu vas passer dans les pays en voie de disparition. Tu pourras aller dans tes abris anti-atomiques faire la poussière. Parce qu'on rasera les immeubles au-dessus pour construire des McDonald's. Les géants de la restauration rapide. Comme les spirales dans la techno. Le McDonald's dans la restauration rapide, c'est pareil. C'est le géant. Le géant vert. Mon pote, j'ai presque arrêté de fumer. J'oublie de fumer maintenant. Ça veut dire que je vais bientôt arrêter. Ça veut dire que JM 777 Gin va se retrouver à l'état naturel, c'est-à-dire dans un mélange naturel qu'on pourrait comparer à une surdose de cocaïne et d'amphétamine mélangée, de la méthamphétamine. Une trace, tu dors pas pendant 2 jours. Mais je te dis pas, si je me retrouve dans cet état-là, attention, je te ferai plus de cadeaux à toi, le stupide. Amuse-toi encore un peu que je suis en mode détente. Produit de la réalisation, c'est l'expérience qui fait la différence. La connaissance n'est qu'addiction. Addiction, addiction. Je peux mettre le C entre parenthèses. La connaissance n'est qu'addiction. Elle se forme et se dissout sans cesse. À quoi bon se figer dedans? En termes de concentration, on distingue 3 états. 1, les sirops. 2, les verres d'eau. 3, les brumes passagères. Ce soir, la bande originelle de notre petite histoire s'appelle Harvest de Neil Young. Pourquoi rester là? Je ne savais pas. Devant l'étang de l'éternité, somme de tous les soleils réunis, la vie humaine est une fraction d'étincelle. Comment vivre avec l'étincelle de sagesse suffit à transformer les volcans de la haine en rivière d'amour. Et à côté de ce vieux salaud, ajouta-t-elle. Je pensais à ce grand roman de Dorothy Johnson. Attention, poème. Paru en 1957 et adapté au cinéma 2 ans plus tard par le cinéaste irlandais avec Gary Cooper. Attention, poème. Attention, poème. Attention, poème. Un poème peut en cacher un autre. L'ennui. 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 Ennui soyeux tisse les dessins de l'homme chagrin. Vie se dérin d'un cœur malin. Amoncelle au quotidien. Sournois, ternit le jour. Toi que nos fils ont dans les mains. De peine ruisselle, languit encore. La peur que demain lisse. Ennui, toi qui m'étreins. Va et prends ton train. L'insatiable. Oh, comment saurais-je, comment pourrais-je me rassasier, moi dont l'âme est infini réceptacle,
Je ne puis que dire encore et davantage, car dans ce corps et dans ce siècle, de rivages en orages, à la merci je suis de la beauté des flammes qui, comme la foudre, m'abasourdit. J'ai repris mes rangs, que l'âme ne s'altère, même avec le temps, et mon esprit se libère. J'ai repris les rangs, que l'âme ne s'éterre, même avec les vents, et mon esprit mage hystère. J'ai repris le rang, que l'âme d'une citerne, même en essence, contient, quand la fontaine déborde. Et il faut touiller, ça c'est sûr, sinon le suc reste au fond. Le plus vieux combat depuis la nuit des temps est celui de la lumière et des ténèbres, la Bible. L'homme est un produit du temps, la science. L'éternité est amoureuse des produits du temps, William Blake. Donc l'homme est un combattant de lumière, logique. C'est quand les choses deviennent stériles qu'il devient nécessaire, qu'il devint nécessaire d'y mettre un terme. Attention, poème. Le gui. Ses baies sont pâles et lunaires, ses feuilles d'un noble vert, ses rameaux ont couleur d'or. Il vit sur le roi des forêts, voyage en oiseau et soigne les maux. Si c'est là qu'il sied, loin des regards indiscrets, il semble pourtant bien nous appeler. Le gui, rappelons-le, dont les vertus sont hypotenseurs au niveau du cœur, qui ralentit les battements cardiaques et la pression, la tension artérielle, donc qui relaxe le gui. Sagement utilisé. Hein. Sinon, c'est un poison. Hein. Ne mangez jamais les baies. Hein. C'est de la colle pour l'estomac. Vaut mieux avaler un tube de superglue que des baies de gui. Hein. Ça fera moins mal. Hein. Vous mourrez moins vite ou plus vite avec moins de souffrance. Parce qu'alors, le gui, voilà, c'est réservé aux druides, hein, celtiques, les traditions Stone Age. Hein. Sinon, oubliez le gui. Regardez juste le comme il est joli en haut des arbres, vers février, janvier. On le voit bien, puisque les arbres ont tombé leurs feuilles, on ne voit que le gui. Qui verdit, plus il fait froid, qui verdit en hiver. Puisque c'est un parasite un peu pour les arbres. Il se fixe sur les branches d'arbres et il leur pompe la sève. Il vit en symbiose sur l'arbre, mais quand il recouvre trop l'arbre, ils finissent par l'épuiser. Il n'y a rien de ce qui fut noué qui ne puisse être dénoué. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Qu'on le veuille ou non, l'homme est confronté à lui-même à travers ses semblables. Les liens de l'homme sont les causes déclenchantes des processus de libération inhérentes même à ces liens. De la même sorte que la réponse est inclue dans la question. Si les ronces ne griffaient pas, nous nagerions dedans. C'est le recul qui octroie de l'avance. De nature effrayée, l'homme selle le cheval rassuré, ses journées égayées et la terre visitée. Les souvenirs sont les ronces de l'oubli que cultive l'ennui à ses heures perdues. Au seuil de perdre sa liberté, l'homme s'échapperait même par la porte de la mort. La vie doit être consacrée au mystère, la vue, elle, au soleil, les oreilles, au chant des oiseaux, le front subtil, aux différentes éthers, et enfin, le toucher aux femmes. Les femmes dont le toucher diplomate, soft, la douceur féminine, ont
une certaine magie pour savoir toucher sans casser. Hein? Comme Bryce Dennis casse vite et bien. Bon, les femmes plus diplomates, hein? Mais plus pernicieuses aussi, hein? Moins franches. Oh grand créateur, comme l'eau, les rivières et la mer arrondissent les pierres, les galets et rochers, en cassent progressivement les angles, comme le vent qui érode les montagnes, comme le feu qui jaillit depuis le centre de la terre, pose ta main céleste sur mon petit crâne et je serai sauvé. Que je sois dardé de tes rayons lumineux jusqu'à ma propre mort. Je veux être comme l'air qui parcourt la terre entière et nous revient chargé de ses mille parfums. Comme la lumière qui tamise, tempère, éclaire. Comme l'eau qui choisit toujours le chemin le plus court. Comme la terre qui se brosse facilement quand elle est sèche. Qu'est-ce qui sépare le prolifique du stérile? La force centrifuge de la force centripète. Le chaud du froid. Le milieu? Quel milieu? La matière est un échantillon du vide. Atterrir amèrement ou amérir atterrer, je ne sais ce qui est mieux. La destinée humaine, telle une flèche lancée dans l'espace, qui jamais ne s'arrête, semblable à une comète, poursuit sa course, érodée par la vitesse, un sillon lumineux pour celle empreinte, réduite par les forces, aérodynamique en essence, de fait son écorce, elle porte la vie. Le cheval progresse même au repos, où il mûrit ses mouvements à vide. C'est hélas vrai que les grandes âmes ne peuvent s'émanciper dans une vie, dans un monde où tout les séduit et réciproquement. L'évocation par l'image, c'est de l'héraldique moderne. L'œil qui voit comprend, sent et apaise tout. L'œil qui veille, éveille et réveille. L'œil qui en sommeille, la veille, s'émerveille de voir s'estomper paisiblement, le brouillard s'enlever, en cette brume matinale, les anges ont sonné le clairon de l'aval, en amont, il a résonné. Amnésie, veux-tu bien venir me chercher? J'ai deux, trois souvenirs à effacer. Il me semble que ma mémoire défaille, je ne sais plus trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Alors, si le temps efface si soudainement, ce qui longtemps parfois se fait envahissant, c'est peut-être là l'œuvre magique des fées, d'un coup de baguette, savoir tout effacer. S'il y a le feu chez toi, ne reste pas, sors. Quelle que soit la masse de connaissances, elle ne doit pas nous rendre égal à Dieu, mais nous faire plus petits et légers que le grain de sable. Juste une taf ou plus une taf, telle sera mon épitaphe. Après avoir fumé la forêt d'Amazonie. El Cucaracho, que me confère à son image, c'est Cal Iter en moi le mage. Force, souplesse et résistance, chien danse même sur la rocaille. Verte, suave et sauvage, son goût unique prend par la taille. Pudique, farouche et finement racée, traverse les couches du temps sacré. C'était une formule magique pour la weed, hein, au cas où vous n'aurez pas remarqué. 777 jeans. On se retrouve sur la prochaine session. Dans la part 3 du 28-6-11. BOOM! Game.